Salut à toi mon ami, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer comment résoudre ce code d'erreur. Donc j'imagine que vous êtes plusieurs à l'avoir eu, peut-être certains d'entre vous l'ont résolu, d'autres non. Si c'est le cas, bah, bienvenue dans cette vidéo. Ok, donc on va partir directement dans le vif du sujet et ensuite je vais te montrer comment je vais résoudre ce problème. Mais en fait c'est simple, c'est tout simplement, il faut imaginer tout simplement que tu as par exemple acheté le dernier Spider-Man sur PlayStation, ok? Et que tu veux maintenant y jouer sur l'Xbox, ok? On est d'accord jusqu'à là? Et ben, tu ne pourras pas, parce qu'il faudrait que tu achètes deux fois Spider-Man. Une fois sur PlayStation et une fois sur Xbox, ok? Et ben là, c'est un petit peu la même chose, d'accord? Alors, pour les jeux gratuits comme Rocket League ou Fortnite, ça va être très simple, il faudra juste les réacheter, mais vu qu'ils sont gratuits, ça prendra 3 secondes, d'accord? Pour ceux qui sont payants, par contre, il faudra juste repayer. Mais le jeu est déjà installé, donc on sera pas obligé de le réinstaller, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Enfin bon, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc voilà notre fameux code d'erreur, je vais vous expliquer comment le résoudre, vous allez voir, c'est super simple. En fait, le problème est lié à la connexion de différents comptes. Donc, je m'explique là, par exemple, en haut à droite, je suis connecté à mon compte Xbox que je viens de créer. Mais auparavant, j'avais joué à des jeux sur PC, donc Rocket League, Fortnite et Genshin Impact, qui étaient liés à mon compte PlayStation, d'accord? C'est-à-dire que les achats que j'ai effectués étaient liés à mon compte Play, mais les jeux sont toujours installés sur mon launcher. Mais c'est pas pour autant que moi, sur mon nouveau compte, j'ai accès à ces jeux, parce que je les ai pas achetés, d'accord? Vous me suivez jusqu'à là? Donc en gros, sur ce compte, c'est comme si j'avais acheté aucun jeu, d'accord? Le jeu ne m'appartient pas, donc je vais devoir l'acheter à nouveau. Donc comment faire? C'est simple, je vais retourner dans la bibliothèque, taper le jeu qui m'intéresse, en l'occurrence, moi pour cet exemple, ça va être Rocket League, et je vais devoir l'acheter à nouveau. Donc une fois que sur cette page, je fais obtenir, là, ça va mettre sur la page d'achat, et je vais acheter le jeu. Bon, lui, ça va, il est gratuit, donc ça va prendre quelques secondes. Et donc là, ça m'a bien confirmé, ensuite je vais fermer le launcher et réouvrir. Donc quand je fais fermer, je fais quitter hein, et je réouvre. Et ensuite quand je relance, et ben là j'ai mon jeu. Je vais cliquer cette fois sur lancer. Et là, on devrait pouvoir lancer l'application. Donc voilà, là le jeu est en train de se lancer. Donc c'est bon, ça a fonctionné. Donc pour cette vidéo, je vais juste accélérer un petit peu l'introduction. Donc voilà, on peut voir qu'effectivement c'est bon, je peux lancer le jeu. Donc c'est... parfait, donc voilà, vous avez compris le principe, il faut vraiment juste réacheter le jeu. Donc en l'occurrence, ceux-ci sont gratuits, donc ça prend vraiment quelques secondes. Et pour un jeu payant, eh ben, il faudra sortir la carte bleue. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Si déjà tu as des questions ou autres, n'hésite pas à le mettre dans l'espace commentaire. Si tu as une autre erreur, je préfère que tu me mettes, enfin que tu me fasses un copier-coller de ton erreur, parce que souvent on me dit oui, j'ai une autre erreur, etc. Donc au pire, copie-moi l'erreur que tu as et je regarderai si je peux t'aider. Comme d'habitude, si je t'ai aidé, n'hésite pas à t'abonner et à like à ma chaîne, bah, ça fait toujours plaisir. Un petit merci en commentaire, c'est pas de refus. Et pareil, voilà, si tu penses que cette vidéo peut aider un ami, n'hésite pas à la partager, ça fera toujours plaisir. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao l'ami, bye bye.